T'es parti dans le bon wagon là en fait. Ah ouais? Ouais. Je l'ai rattrapé hein. Ouais, tu l'as rattrapé et puis vous avez mis une mine aux autres. Donc Je l'ai rattrapé et je l'ai pas aidé parce que j'étais trop loin pour être à la scie. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ils sont venus. T'as eu les 3 à 4 premiers tours le temps que ça chauffe. Ouais. Ça se voyait. Parce que derrière, elle avait tendance à revenir sur toi. Et dès que j'ai monté en température, c'était flagrant. Hop, calé. Et là, verrouillé. Ouais. Et la petite fenêtre, c'est celui-là, elle a le 3. L'autre qui était derrière toi, elle a pas mis. Vous avez vu, c'est Et c'est perdu tout seul. Et là, parfait à mon avis, en tour c'est parfait. 14 000, c'est pas... peut-être qu'à un moment donné on va redescendre un petit peu. Pour l'instant c'est parfait. Pour l'instant c'est parfait, simplement pour avoir peut-être carburation, on va voir la température s'il faut descendre d'un cran. Et là. Qu'est-ce qu'on a devant, standard? Oui, standard, parfait. Donc à mon avis, si ça continue à être chaud, faut retirer de l'avant, quoi. Pour retirer une demi-bague, là. Ouais. Retirer de l'avant, voire même descendre le châssis, peut-être. Je sais pas. Retirer de l'avant, parce que toi, c'est presque mieux même d'avoir un tout petit peu de sous-virage. D'accord. Moi, je te le fais pour la manche après, on essaye ça. Ok, pourquoi pas. Ouais. On va aller toi sur le circuit, tu sauras où ça va. Ouais. Si on se torturait, on va... What's going on? Explain the brakes. Pardon? Explain the brakes. On the front. Alright. Yeah, my feedback was correct.